Gantner's books probe deeply personal experiences and feelings within a society split by gender and class divisions. The author strongly defended women's rights to abortion and contraception in some of her first comments after winning the prize. She also expressed her support for Iranian women who have been protesting hijab laws and morality police. The Swedish Academy said Ernaux was recognized for the courage and clinical acuity of books rooted in her small town background in the Normandy region of northwest France. Je réalise quelque chose qui m'a tenue depuis que j'ai l'âge de 20 ans, ce désir-là. Et je considère que c'est une grande chance d'avoir pu le réaliser. Le Nobel n'a pas encore beaucoup de réalité pour moi, je dois le dire, mais je sens, c'est vrai que je sens une responsabilité nouvelle. Je veux dire, je lutterai jusqu'à mon dernier souffle pour que les femmes puissent choisir d'être mère ou de ne pas l'être. C'est un droit fondamental. Et c'est bien parce que c'est la plus grande, je veux dire, la contraception et le droit à l'avortement, ce sont c'est la matrice de la liberté des femmes. Parce que c'est même un choix de société. Et c'est un choix politique. Et c'est bien pour ça que dans certains pays, et dans certaines régions d'Amérique, certains États, on ne s'y trompe pas, où on veut on veut maintenir la séculaire domination sur les femmes.